coucou tout le monde, ça y est les amis, ils sont faits les Vlogmas. Je suis trop contente. Donc là actuellement nous sommes le vendredi 1er décembre. Alors comme vous avez pu voir sur Snap, j'étais pas très très en forme. Mais j'étais au médecin, donc je pas... Bon voilà, comme tous les gens normaux, voilà, faut aller au médecin. Donc moi j'y suis allée pour Meniba, voilà. C'est pas vraiment si c'est grave. Non, je pense pas que ce soit grave. C'est grave ou pas? Non, c'est pas grave, mais il faut que je fasse une mammo machin bidule. Donc voilà, super merveilleux. Donc ça, c'est vendredi prochain qu'il faut que je la fasse. Donc voilà, mais pour l'instant, on va dire que ça va mieux quand même. J'étais inquiète. Bon, je suis encore, parce que voilà, c'est encore sûr et certain, mais voilà. Regardez les amis, Inès, ah, il a neigé cette nuit. Il voit de la pluie, en fait. Non, il voit bien. Ah, t'as réparé ton carreau. Regardez, c'est blanc. C'est trop beau. C'est la neige, mais vraiment. Donc alors aujourd'hui il n'y a rien de spécial qui va se passer. Qu'est-ce que je viens de dire là, c'est pas français? Si, non, on s'en fout. En fait on va faire du ménage aujourd'hui pour l'arrivée de ma sister demain. Wouhou. Donc voilà, bon, on va pas trop se réjouir parce que voilà, il y a quand même de la neige, on a peur pour la route comme tout le temps. Mais bon, c'est comme ça, on est des familles d'inquiétés. C'est comme ça, c'est la vie. Neige, c'est merveilleux. Alors pour la déco, je ne sais pas du tout quand on va la commencer. Déjà faut faire le ménage pour l'arrivée de ma soeur et tout ça. On a déjà fait le plus gros pour les lits, tout le bordel, mais pour la déco, bah, je verrai. Parce qu'en fait, comme vous le savez ou pas, il me manque une guirlande. En fait, j'ai un petit problème, c'est que j'ai perdu une de mes guirlandes que j'avais l'année dernière, qui était multicolore et pétante. Et tout, si je la trouve pas, et j'aurais voulu en racheter une cette année, rouge. Parce que j'ai déjà une guirlande, une sorte de jaune, chaud, je sais pas quoi. Et tout, c'est que, ben voilà, Jiffy, c'est un petit peu plus loin. Bon, on pourrait prendre le bus, mais... Flemme attitude, bonjour. Je vous dis à tout à l'heure pour la suite des événements. Ouais, cucu, on se retrouve pour la suite du vlog. Donc là, je viens de filmer une vidéo, donc je suis très contente. Je me suis maquillée entre temps parce que voilà, ça faisait un petit moment que je m'étais pas maquillée. J'en avais besoin. Et là, je suis en plein nettoyage et rangement en même temps. Là, c'est le foutoir dans la chambre, c'est merveilleux, on adore. Ben voilà, je vais continuer. Alors, je suis désolée, ce vlog n'est pas pour l'instant intéressant. Mais voilà, pour l'instant, il n'y a rien d'intéressant. Je ne sais même pas si... C'est vraiment le bordel dans les pièces. Regardez, la table derrière, c'est du n'importe quoi. On prépare encore une fois l'arrivée de ma soeur et on n'a pas encore fini. Donc voilà, et là, ma mère est partie à un rendez-vous, donc elle va revenir. Et il faut encore que je nettoie, donc voilà, je vais arrêter de parler et je vous dis à tout à l'heure pour la suite des événements. Oui, j'avais oublié, en fait... Oh, tais-toi, la télé, c'est pas vrai. Je vais vous expliquer vite fait par rapport au rendez-vous du médecin que je vous ai dit tout à l'heure. En gros, j'étais un petit peu gênée tout à l'heure dans la voiture parce que voilà, il y avait le copain de ma mère et tout ça dedans. Donc vous savez très bien que j'ai encore un petit peu du mal à parler. Alors désolé de me regarder, c'est parce que j'ai l'impression que ma bouche est de travers. Bon, c'est pas une impression, de toute façon elle est de travers. Hein. Alors en fait, je vais vous expliquer. Il y a quelques jours, de toute façon vous l'aurez vu. Que je vais dire là, je vous l'ai dit sur Snap, désolé, il y a Didline qui tousse. Bah alors ma Didline, regardez comment elle se met quand elle tousse, c'est trop triste. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pour parler d'autre chose, je vous disais en fait dans la voiture, non, il y a quelques jours, je vous ai dit sur Snapchat qu'il s'est passé un petit truc. En gros, avec ma mère, on faisait la vidéo DIY que je ne sais pas quand est-ce qu'elle va sortir. Comme ça, je vous en parlerai aussi parce que... Vu que déjà on prépare l'arrivée de ma soeur, comme vous avez pu voir c'est un peu le chantier donc c'est merveilleux. C'est du n'importe quoi cet appartement, cette organisation c'est du n'importe quoi. Et le truc c'est qu'on faisait le DIY et en fait j'étais en train de faire ça, voilà. Et pourquoi j'ai regardé là-bas, n'importe quoi. Et le truc c'est que j'ai senti un truc, j'ai senti une boule, une bosse en gros. Et j'ai regardé, je pinçais un petit peu et j'avais une boule, je sentais vraiment une boule, je l'avais dans les mains et tout, enfin dans les mains, entre les doigts. Et tout, c'est que je commence à le dire à ma mère, et vu que ma mère, bah voilà, c'est normal, c'est une mère, donc elle s'inquiète, même moi d'ailleurs. On s'est tout de suite dit qu'il y avait quelque chose, donc on n'était pas vraiment bien. Donc bon, ma mère, elle a continué le tout du DIY. Le truc, c'est qu'en fait, l'un des trucs qu'elle est en train de se servir, bah on n'en avait plus. Donc on s'est dit, bah de la crotte, on attend le lendemain pour le continuer. Le lendemain, bah déjà le soir même, je me suis couchée tard parce que bah, j'étais inquiète, je savais pas ce que c'était que ce truc. J'étais pas fatiguée, j'arrivais pas à dormir. Et bah, le lendemain, je me suis réveillée un petit peu tard, ma mère est arrivée aussi.
Et on n'a rien fait du tout d'exceptionnel. On a juste en fait du ménage et faire le changement de chambre, comme je vous ai dit, par rapport à l'arrivée de ma sœur. Et c'est tout. Et le truc, c'est que on a pris rendez-vous au médecin. Et là, je viens d'y aller aujourd'hui, comme vous l'avez vu, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure. Et en gros, c'est un problème hormonal et ça s'appelle mastose, un truc comme ça, je ne sais plus trop. Mais elle pense que c'est pas très grave, mais par précaution, faut aller faire une mammographie. Donc j'y vais vendredi prochain. Et voilà. Donc je suis un tout petit peu moins inquiète qu'avant-hier. Mais je le suis parce que maintenant, il faut attendre une semaine pour vraiment savoir ce que c'est réellement. Et c'est chiant. Donc voilà. Et par rapport au DIY, je vous l'ai dit, en fait, pendant la vidéo, il s'est passé ça. Et en fait, il nous manquait un truc pour finir le DIY. Et ma mère a été le chercher le lendemain. Le truc, c'est que le jour même, on ne l'a pas fait. Puis la nuit est tombée très vite. Vers 15h, il faisait déjà presque noir. Hein. Vraiment, c'était sombre, c'est chiant. Et tout, c'est qu'on n'a rien fait. Donc, en fait, je ne sais pas si on va le continuer là tout à l'heure. En plus, là, j'ai presque plus de batterie. Donc, il va falloir que je me grouille les fesses pour le charger. Et puis voilà. Donc, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Et il a neigé, comme vous l'avez vu aussi. Je suis trop contente. Ma soeur va arriver, va venir demain. Il neige. C'est merveilleux. Donc, on est content. Donc, il n'y a pas qu'Annecy où ça neige, mais on est très content. Voilà. Coucou tout le monde, on se retrouve quelques heures plus tard avec. Non, c'est là. Coucou maman! Donc, là, on est en train de mettre les décos de. On commence, entre guillemets, à mettre quelques petites décos. Donc, là, bon, comme vous le savez, je vous avais fait voir sur Snapshot tout ça là-haut. Voilà. Donc, voici le. Ah, tu fais des changements. Bon, voilà, changement, pas en direct, mais. Ce vlog-là, normalement, vous le verrez ce soir. Enfin, j'espère. Et voilà. Donc, en fait, je pense qu'il n'y aura pas la vidéo. Je prépare les décos de Noël avec vous. Vous les verrez au fur et à mesure des vlogmas. Mais vous verrez sûrement comme une sorte de room tour déco de Noël. Je pense quand tout sera fait. Je pense. Ça sera mieux. Parce que là, on fait les préparatifs de l'arrivée de ma sœur. Quand elle va arriver, je vais pas forcément filmer. Parce que déjà, elle va arriver dans la soirée. On va sûrement être content de la voir. Enfin, c'est pas sûrement, c'est sûr. Et voilà, on va profiter d'elle, logique. Mais je filmerai, je filmerai les jours suivants. Par exemple, demain, dans la journée, je vais filmer parce qu'il y aura les préparatifs et tout. Donc, par contre, vous la verrez pas. Si au cas où je lui demande et qu'elle me dit oui, d'accord. Et par contre, pareil pour mon neveu. Si au cas où elle est d'accord pour que je le fasse voir, mais ça m'étonnerait parce que c'est quand même son enfant. C'est elle qui décide, c'est pas moi. Je ne le ferai. Parce que déjà sur Facebook, il est pas. Ouais, voilà, donc. Ma soeur, je vais pas forcer, je vais pas filmer mon neveu à son insu, ça ne se fait pas du tout. Ça serait quelqu'un qui fait ça avec mon enfant, je lui détarte la tronche. Hein. Donc voilà, je comprendrais que ma soeur ne veuille pas. Et même si dans un sens j'en ai vraiment envie, mais c'est pas moi. Voilà. Moi après, je sais pas si un jour j'ai un enfant, peut-être que je vous ferai voir mon enfant, peut-être, on verra. Mais pour l'instant, j'en ai pas déjà. Hein. Mais c'est mignon, regardez. Elle avait des cannes à sucre. C'est trop mignon. Et voilà, donc bref, là je vais vous faire voir un petit peu ce qu'il y a ici. Donc là il y a un petit sapin, ça je l'avais acheté à Casa à 6,99. Bon d'accord, c'est cher, mais voilà, il est tellement beau. Avec des sucres de canne. Voilà, j'ai tourné la caméra pour que vous voyez mieux. Donc ici on a deux luges que j'ai achetées à Stokomani pour 2,99 chacune. Ici on a des bonhommes de neige que ma mère avait fait. Donc c'est au cas où vous avez vu ma vidéo l'année dernière de DIY, vous les avez vus. Bon bien évidemment. Ma mère a fait des DIY en dehors, donc elle en avait fait un, je sais plus lequel elle avait fait en vidéo. Mais voilà, donc ça c'est Bonhomme de neige Père Noël, il est trop mignon celui-là. Enfin ils sont tous beaux hein. Bon au-dessus je vous refais voir, donc là il y a un Père Noël qui vient d'Action, c'est ça? Elle l'avait acheté 9-10 euros, je ne sais plus du tout. Ensuite là on a des bougies, ça sent, attendez je vais sentir. Ah ça sent, mais très léger hein. C'est un truc que j'avais acheté, un coffret à ma mère que j'avais acheté pour Noël l'année dernière. Si vous suivez mon vlog, hein, vous vous rappelez. C'est avec ça. Vous voyez, c'est un coffret avec des bougies, des. Ah, il est beau ce photophore. Voilà, donc vous avez des bonhommes de neige encore une fois. Une autre bougie qui sent pareil. Ouais, pareil. Ça, mon sapin. Comment ça s'appelle ça? Sapin en bois que j'ai acheté à Jiffy pour 1 € et des brouettes. Ça coûte pas cher. Et là, mon bonhomme de neige que j'ai fait en bouteille l'année dernière. J'aurais dû mettre le chapeau. Là, ça aurait fait mieux, mais bon, c'est pas grave. Et là-bas, tada! Une autre petite déco. Donc, pour l'instant, c'est moins rempli que l'année dernière. Parce qu'en fait, on va pas mettre, je pense, tout au même endroit. C'est-à-dire que l'année dernière, il y avait les chaussettes. Mais, oh non, c'est beau! Regardez! Ça, c'est mon Père Noël. On a acheté ça 3 euros.
un magasin, je sais plus comment il s'appelle. Ah, il cligne le cœur rouge. Oh, ça va, c'est bien. Et là, c'est des petits papillons LED que ma mère a acheté. Donc, en gros, c'est un petit truc tout simple. Et en fait, au-dessus, il y a des papillons. Je trouve ça super cool, original. Bon, c'est pas Noël, mais on s'en fout. C'est, ça s'illumine. Et en bas, c'est pas trop Noël, mais on va dire que si, c'est mes Yankee Candle. Enfin, non, il y en a que deux Yankee. Non, trois, pardon. Vous savez. Et ça, c'est moi qui l'ai fait. Ah oui, c'est vrai. Avec ça, toi? Ouais, c'est moi qui ai tout peint en rose. Et, moi, et ma mère, elle a fait le reste. C'est trop beau. Donc voilà, ma mère adore décorer. Donc là, comme je vous ai dit, là, c'est ma Snowflake Cookie que j'ai en promotion à Fleurs et Plantes du Lac. Ma bougie ange que j'aime trop. Franchement, si vous pouvez aller la sentir, allez-y. Elle est merveilleuse. Elle sent la Snow in Love de Yankee Candle, si au cas vous êtes intéressé. D'ailleurs, il faut que je l'amène ici. Vous avez une autre bougie qui vient de Stokomanie. Franchement, ça sent très bon. Au début, je n'étais pas très convaincue. Ça sent très léger, mais en fait, ça sent très bon. Ça se diffuse assez bien. Là, vous avez la Candy Cane Lane que j'adore, que j'avais eue il y a 2 ans par André. Donc voilà. Une petite poupée comme ça que ma mère a fait elle-même. Ça, j'adore, c'est trop beau. Une autre bougie qui vient de Stokomanie aussi. Celle-là, c'est ma préférée des deux. Elles sont très, très bonnes. Et ma... Bon, ça, c'est pas de Noël, mais c'est une que j'adore aussi, que j'avais achetée cet été, je crois, en solde. Et là, c'est ma poupée de Noël que ma mère a fait aussi. Voilà. Là-bas, pour l'instant, ma mère a fait une petite déco. Donc, je sais pas, bon, ça fait... C'est pas trop Noël, mais là, elle a juste mis ce petit bonhomme de neige. Tu veux qu'on mette le Père Noël à côté, là-bas? Oui. Ouais, je pense. Donc, voilà, c'est un paravent que j'avais acheté à ma mère. Il coûtait pas très cher. Et là, pour décorer, ben, elle a mis des broches qui sont très très belles, une comme ça, et des guirlandes de roses qu'elle a achetées sur AliExpress, je pense, je sais pas du tout, mais il n'y a pas de piles encore, faut en acheter, parce qu'on en... on est en pénurie de piles, c'est la catastrophe. Voilà, en direct, je mets la tête du Père Noël. Oh, j'ai eu peur. Donc voilà, le paravent de Noël, c'est merveilleux, et moi j'adore, mais normalement, demain, c'est les sapins qui sont là, donc lui, tu vas le foutre où? Bah, on va le mettre ailleurs, c'est pas grave. Donc oui, là, à la base, normalement, il y a les sapins. Parce que là, en fait, on attend ma soeur pour le faire. Parce que c'est fort. Donc ça, je pense qu'on le décalera dans la pièce là-bas, on sait pas. Mais normalement, ici, c'est les sapins. Donc voilà. Là, vous avez un autre meuble que ma mère a fait à la base. Je sais pas si vous vous rappelez, mais c'était noir. Bon, je vous les ai jamais vraiment fait voir. Mais c'était noir et franchement, c'est trop beau le résultat. On adore. Et là, c'est le bureau qui avant était marron et il est en gris blanc. Donc c'est fait exprès, hein, comme ça. C'est un effet vieilli. Ça fait effet créé. Voilà, effet créé. On adore, c'est merveilleux. Et là, on a mis des rouleaux de papier toilette de côté. Je pense que ça sera pour l'année prochaine. Hein, non, on va le faire, mais... Quand voilà. Pour user papier toilette, faut aller aux toilettes beaucoup quand même. Enfin, c'est de la pub. Ah oui. Pourquoi de la pub? Ça, c'est du chabi. Donc alors, ceci, c'est ma mère qui l'a fait. N'est-ce pas merveilleux? Mais bien sûr que oui, on va applaudir. Donc, c'est une toile avec plein d'orbes aussi dans l'écran. C'est pas mal. Donc, c'est une toile avec, en fait, ça s'appelle effet chabi. Bien évidemment, Madame François. Voilà. Oui, c'est du chabi que je fais sur des objets. Voilà. Sur des toiles. Parce que, voilà. Voilà, une toile une comme toile. Pour cadre. Non, c'est, oui, bah oui, je suis bête. Et en fait, c'est tout plein de trucs que vous trouvez principalement Action. Parce que voilà, on sait très bien qu'Action, c'est la caverne d'Alibaba. Il y a AliExpress, il y a des tissus voilà, y a des trucs, que ta sœur, elle m'a donné. Ça, c'est une dame qui me l'a donné. Ça aussi. Et ça, c'est Action. Sinon, tout ce qui est cabochon, tout ça, c'est AliExpress. Ah bon? Ouais. Il est beau celui-là. Même les neuneux. Ça, c'est un neuneu, c'est un bandeau pour mettre dans les cheveux à la base. Ah d'accord. Et vous avez du ruban dentelle. Et ça, bah, c'est ma mère qui l'a fait, et voilà. Là, c'est un autre vase que ma mère a fait. Vous voyez, ma mère est déchaînée à vous faire tout voir. Donc, c'est un vase, bien évidemment, qui a été peint en blanc avec des paillettes rouges. Et elle a collé bah, des petits cabochons, perles, des petits... des lettres, des machins bidules. Et celui-là, il est très, très joli. Avec ces petites branches qui viennent d'où? Elles viennent d'Action. Non, ça, non, ça vient d'Action. Tout? Oui. Ah, bon, ah oui. Tout vient d'Action. Bon bah voilà. C'était quelques centimes la branche. Mais c'était l'année dernière ça que ma mère a acheté. Et on adore et ça fait très beau. Dans ça aussi c'est Action. Ça aussi, ah oui c'est vrai. C'est marrant, c'était une... Elle est à moins de 5 euros, elle était à 4 euros. Ouais 90, mais je pense plus, pas qu'elle doit y être, ils changent beaucoup leur stock. Ouais. Action. Donc voilà à peu près la déco de Noël. Et bien évidemment, bon voilà, il y a aussi là-dedans. Mais là c'est pas encore sûr. Il y a les deux bonbonnières, celle-là vient d'Action, je crois, et celle-là vient de Casa. Je peux savoir où il est le coup? Ah, j'ai eu peur. J'allais dire, elle me fait peur.
Voilà, ça vient de Casa. Je l'avais acheté 8 ou 10 euros, je ne me rappelle plus. Et vous avez ça, qui vient de le hameau du Père Noël. Ceci, je l'avais eu en cadeau par une femme où je travaillais avant. C'est trop beau. Et vous avez le deuxième truc. Et là, c'est moi. C'était l'année dernière, voilà. Je voulais encore une fois vous parler de ma maman, parce que voilà, cette déco, c'est elle qui l'a fait. Pour ceux qui me suivent sur Snapshot, vous l'avez vu. Donc c'est une toile encore comme l'autre là-bas. Sauf que là, c'est versant Noël. Et franchement, quand je l'ai vu, j'ai adoré. C'est merveilleux. Franchement, c'est merveilleux. Les trucs à paillettes, c'est quoi? C'est des trucs à coller? Ouais. Bon, de toute façon, c'est tout. Je les avais à Stokomani. Moi. Même les anges, ouais, c'est toi. L'ange et puis le sapin, c'est toi. Oui, ça, les trucs en feutrine, c'est moi. Ça vient de Stokomani. Les étoiles, là, je sais pas du tout. Les étoiles pailletées, c'est à Stokomani aussi. Ah ben, je m'en rappelle pas. Ça et aussi. Sinon, les boutons, l'étoile, le Père Noël et le cœur, c'est sur AliExpress. Voilà, ces petits trucs. En fait, c'est des boutons. Voilà, vous avez cœur, Père Noël, comme ma mère a dit, et étoile. Et vous avez aussi un pain d'épices que ma mère a aussi. Et ça, en fait, l'étoile, c'est où soit des tissus sur le marché ou autre. Et puis, les trucs brillants, je crois que c'est du chemin de table. Je suis pas sûre. Et voilà. Donc, ma mère s'y présente, fait de la déco sur demande. Donc, si encore vous êtes intéressé par ce genre de toile, que ce soit pour tous les jours, quel que soit le thème, donc là, du style fleurs, etc. Non, mais les orbes, ça se déchaîne, là, les amis. Hein, c'est la fête. Ou si vous avez d'autres thèmes du style Noël et tout le bazar, ou pour enfants, si vous avez un enfant qui vient de naître ou je ne sais quoi, et ben vous faites appel à Madame François ici présent. Donc, qu'est-ce que tu veux que je mette en barre de description? Son Facebook. Voilà. Déjà, je travaille sur des boîtes en bois, des boîtes à musique, des boîtes à bijoux, des toiles, des abat-jours de lampes. Je refais des fois des ouais, meubles. Des meubles. Des meubles que les personnes ne veulent plus, et plutôt que de les jeter, on peut les refaire. Alors il y a couleur argent, on peut les refaire en effet créé, effet vieilli. Et puis pour ceux qui n'ont pas d'idée cadeau, on peut refaire un petit meuble tout simple ou une boîte à bijoux. D'accord, madame Irène. Alors, comment voulez-vous, si, admettons, mes très chers abonnés veulent, admettons, une déco de vous, comment voulez-vous qu'ils vous contactent? Qu'ils te contactent, toi, et puis toi, tu me le dis. Puis dans ces cas-là, je ne dis pas de faire un devis, mais je vois, il faut que la personne m'envoie une photo après, et je vois ce que je peux faire dessus, et la personne, ou elle m'envoie la chose à décorer, ou si elle habite pas loin, c'est très bien, et comme ça je peux voir directement l'objet, et puis je décore. D'accord, mais je mettrai quand même ton Facebook en barre de description, si au cas où, parce que ouais. Si admettons ils font appel à moi, d'accord, mais le truc c'est que voilà, c'est pas moi qui fais la déco. Parce qu'il existe plusieurs effets shabby, il y a effet shabby dentelle, il y a shabby classique, il y a le shabby style comme ça, parce que les meubles ont été refaits en shabby alors qu'à la base c'était couleur marron, et moi je l'ai fait en gris vieilli et argent. Et il y a plusieurs sortes de shabby. Il y a shabby romantique, il y a shabby savoyard comme chez nous. Ça dépend de la couleur, de ce que les gens veulent, s'ils veulent du romantisme dentelle, du romantisme classique, si c'est pour faire un cadeau pour un mariage, un anniversaire, une communion, baptême. De tout quoi. Ne pas hésiter s'il n'y a pas d'idée cadeau, nous on en a. J'en ai plein la tête. J'ai un catalogue complet de cadeaux dans la tête, et je ne suis pas la seule dans la famille à le faire, et j'ai une personne qui est très 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 près de moi, c'est-à-dire ma première fille, qui adore faire ce genre de décoration. Et tu peux regarder là. Ouais, je vous prie croire que elle se débrouille vraiment pas mal. Elle fait beaucoup de. Elle a fait des décorations pour un anniversaire, et puis c'était magnifique. Les gens ont vraiment été ah bon, scotchés. Ouais. Moi, je savais pas. C'était pour un anniversaire ou pour un couple, ou je ne sais plus, elle avait fait ce genre de toile. Et les gens ont été scotchés. Moi, j'ai fait ça aussi pour un anniversaire, pour une amie. Et c'était un tout petit cadre.
que j'ai fait aussi. Et puis, ah, ben, oui. Elle en a été... franchement, elle était... Elle a été vraiment, 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 vraiment. Voilà. Et donc voilà, vous avez vu ma mère qui a parlé pendant je ne sais combien de temps. Après, on dira que c'est moi qui parle beaucoup. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller sur son Facebook, même si au cas où elle ne partage pas ses décos et tout ça. Mais bah, pour la contacter, si au cas où... Vas-y, parce que j'ai une micro-entreprise. Oui, mais tu ne partages pas tes trucs. Non, bah non, parce que je ne sais pas si ça plaît. Donc j'ai peur de me lancer, en fait. Ouais, puis que les gens piquent ses idées. Ça aussi, c'est chiant. Bah, donc voilà, de toute façon... Je crois qu'on n'est pas les seuls à piquer des... À piquer des idées quand on est sur internet. Ouais, comme YouTube. Des fois, on n'a pas tellement d'idées, puis on se dit, oh bah tiens, je vais voir ce que je peux faire avec ça. Et puis bah, après, ça donne l'idée. Exactement. Ouais. De toute façon, si vous voulez savoir, je vous mettrai quand même son book. Comme ça, si vous avez. Bon, c'est vrai que ma mère n'y va pas très souvent, mais elle fera l'effort d'y aller un tout petit peu tous les jours. Pour non, si bah, au cas vous êtes intéressé. Pas forcément mettre mon Facebook. J'ai mal au bras. Tu peux, si au cas où vous êtes intéressé, bah vous passez par moi, puis après bah vous passerez par elle. Mais autant aller sur Facebook, c'est pareil. Hein. Bon bref, c'est pas grave. Si vous êtes intéressé, bah n'hésitez pas. Et voilà. Donc je vais arrêter de parler. Je sais pas si j'arrête le vlog là tout de suite. Non, je ne pense pas. Mais là pour l'instant niveau déco, bah on sait pas quoi faire. Puis on va continuer le rangement par rapport à ma soeur. Voilà. Aujourd'hui deuxième jour de vlogmas. Faites pas attention au bordel. Bon c'est pas encore le bordel, c'est plus les fils et l'ordinateur. Donc aujourd'hui nous sommes le 2 décembre. Ma soeur est sur la route pour arriver. Par contre je ne sais pas quelle heure elle arrive. Là nous sommes. Il est déjà 10h, presque 11h. Ma mère m'a dit qu'elle pourrait arriver vers midi comme 2h, donc faut vraiment se dépêcher. Désolée, je fume comme un pied. Donc là en fait je vais me préparer tout ça et je vais en fait aller à Jiffy pour voir si je peux trouver une guirlande rouge pour mon sapin cette année, parce que normalement on le fait demain normalement, et j'ai vraiment envie d'avoir une guirlande rouge. Donc on va voir, si au cas où je la trouve pas, bah, j'irai à la foirefouille parce que j'en avais vu une rouge. Bon, qui coûte 12,99€, mais j'aimerais voir s'il y a moins cher ailleurs, c'est-à-dire à Jiffy. Donc voilà, je vais pas parler plus longtemps parce qu'il faut que je me prépare, faut encore que je fasse des petits rangements, surtout qu'ici, faut encore ouais, passer l'aspirateur et laver, parce que d'ici là, mais qu'est-ce que je raconte? Parce que voilà, depuis hier et tout ça, bah voilà, il y a eu des petites saletés, donc faut que je ramasse tout ça. Ma bouche est une catastrophe en ce moment, je ne sais pas pourquoi, mais bon bref. Alors, je vais arrêter de parler, je vous dis à tout à l'heure. Je suis à Jiffy les amis, c'est un peu rempli. Je filme, vous vous rendez compte? Je crois que je vais me reprendre un set de boules. Je suis pas sûre. Faut que je prenne à tout prix une guirlande illuminée, ça m'énerve, c'est le stress. J'espère qu'il n'y a pas que ça parce que moi je veux une rouge. Il n'y a pas de rouge, c'est le stress. On s'en retrouve peut-être une bonne heure plus tard. Là, on est rentré de Jiffy et tout. Donc après, en fait, j'ai rejoint ma mère et son copain à Lidl parce qu'après, André bah, devait partir. Et je vais vous faire voir ce que j'ai acheté à Jiffy, comme ça, si au cas où vous avez des petites idées cadeaux de Noël de dernière minute et tout ça. Ben voilà, donc tout d'abord, en ce qui concerne guirlande, comme je vous ai dit, tout ça, il me fallait une guirlande. J'en ai trouvé, à Jiffy, j'en ai pas trouvé, hein, c'était nul. J'ai pris ça, tout d'abord, pour ma mère et tout. Donc ça, c'est pour du style mettre ou soit sur un petit meuble et tout ça. Donc c'était 2,49€. Je trouvais que ça allait encore. En plus, les piles sont fournies. C'est ça que j'ai plutôt apprécié. Donc c'est plutôt cool. Donc ça, voilà, à Lidl. Et à Lidl, j'ai trouvé ma guirlande. Donc malheureusement, elle n'était pas rouge, mais elle était multicolore. Donc je pense que c'est multicolore. Donc j'ai pris ça. 8,99€ seulement. Il y a 140 LED. Je suis assez contente. Il y a 8 modes d'éclairage inclus. Donc c'est plutôt cool. C'est usage intérieur et extérieur. Donc ça, c'est cool. Et à Jiffy... C'est là où j'ai craqué le plus en fait, on va dire ça comme ça. Parce qu'à la base, j'étais là juste pour la guirlande et j'ai craqué pour autre chose. Déjà, j'ai pris des accroche-boules. Je sais pas où ils sont. Vous savez, les trucs en... les petites barres en ferraille. Je sais pas où elles sont. Bah mince alors. Bah je sais pas, j'ai payé ça 1€, donc c'est... ou qu'il y a les décos de Noël et tout. Et en fait, je suis passée et j'ai vu des LED. Vous savez très bien que j'adore les trucs en LED. Et j'ai trouvé...
une tête de licorne. Donc à la base, je suis pas spécialement fan des licornes. J'aime beaucoup, c'est très très beau. Mais en fait, j'adore tout ce qui est LED-lumière. Et c'est vrai que la licorne, c'est très très joli quand même, faut se le dire. J'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai pris ça. J'aime beaucoup le packaging un petit peu avec la licorne. Derrière, ça donne ça. Et j'en ai pris un autre parce qu'on avait deux modèles. Et j'ai pris en fait le modèle entier. Tididi, il est trop mignon. Donc j'aime trop trop trop. Je suis trop pressée d'essayer. Par contre, ça marche à deux piles. Je n'en ai pas encore. Mais de toute façon, c'est pas mon intention de le mettre tout de suite. Mais ce qui est cool, c'est que c'était pas très cher. Voilà, vous avez en fait un tout petit stand Rikiki avec plein de trucs licornes, donc des cadres, des machins, vous avez des trucs là. Et ça coûtait 4,90€ le truc. Donc franchement, j'ai trouvé ça pas mal. En sachant que la taille est quand même assez grande pour le prix, c'est ça en fait que j'ai trouvé ça plutôt cool. Parce qu'il y a des trucs comme ça, c'est grand et ça coûte plus cher. Comme par exemple l'ananas que j'avais acheté, je crois qu'il m'a coûté 5€. Je suis pas sûre, mais je crois. Pourquoi je regarde là? Mince, j'ai l'impression que c'est là. N'importe quoi. Pris en dernier, j'avais vu ça sur le prospectus. J'adore ça parce que je crois que j'en ai pas. Je crois que j'en ai jamais eu encore. Peut-être... bon bref, je vais vous faire voir. J'ai pris... Ta-da-da, le plaid de Noël. Donc je suis trop contente. Il coûte 9,90€ seulement. Et il est tout épais. Enfin, il a l'air épais en tout cas. Il mesure 130 x 160 cm. C'est pas rien. Et il est trop beau. Donc vous avez les motifs et tout. Reine. Je crois que vous avez reine, sapin. Et cerf, sapin, flocon, cœur et des petites arabesques un petit peu. Ah non, oui, non, n'importe quoi. Les arabesques, en fait, c'est les trucs dessert. Franchement, j'adore. Je suis pressée de le mettre et tout. Et puis voilà pour ce que j'ai acheté. Ça veut rien dire ce que j'ai dit. Ah, j'y suis. Donc voilà, là, on est en train de ranger, nettoyer. Donc je vais arrêter de parler. Et je vous retrouve peut-être tout à l'heure pour vous faire voir la suite et la fin, je pense, des événements. Ah oui, j'ai rajouté ça sur le paravent. Parce que MJ en fait elle joue tout le temps avec et c'est chiant. Bon, c'est marrant, on n'a pas envie que la Nola dépiote, donc on a mis ça. Je trouve que c'est très très beau. Donc voilà, demain je pense que tout à l'heure j'irai peut-être chercher les sapins, ou peut-être demain, je ne sais pas, puis on mettra tous les sapins. Donc voilà, j'ai arrêté de parler, je vous dis à tout à l'heure. Bon, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'était pour vous dire que ma soeur est enfin arrivée. Je suis super contente. Et là on va passer une soirée ensemble, mais je vais pas les filmer. Bonjour Hervé, regardez ce beau plateau de nourriture. Voilà. Les amis, je suis super contente. Ils nous ont ramené un calendrier de l'Avent. Voilà. Regardez, j'en avais pas en plus. Donc voilà, je vais arrêter de parler. Je sais pas quoi faire. Et puis voilà. Ok, tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, vous ne me voyez pas trop, mais c'est pas grave. Donc là, je vais ouvrir mes deux cases du calendrier de l'Avent. Il est trop beau. Donc par contre, je n'ai pas enlevé le plastique. C'est bien. Voilà, je vous ai tourné le truc. Donc ensemble, on va chercher le premier. Il est où? Déjà là il y a un truc, mais il n'y a pas de numéro, donc ça doit être le 24. Il est où le 1 est ici. Et le 2. Ah, petit carré. Bon, c'est pas Kinder, mais bon, moi je m'en fous. J'en ai eu un. Ah, une cloche. Waouh, c'est beau. Et je vais ouvrir le 2 parce qu'en fait bah, là nous sommes le 2. Juste au-dessus. J'ai view. Ah, qu'est-ce que ça peut être? Un traîneau. Ouais, si. Oui. Non, une luge. Bon, voilà, je vais vous retourner, puis je vais goûter en avant-première avec vous, on va dire. Goûter avec vous pour voir si c'est bon. Bah, apparemment, c'est il est bon, le chocolat. Nicole l'a dit. Alors, en fait, je voulais les Kinder cette année. Mais les chocolats là. Ça me rappelle quand j'étais toute petite, les petits calendriers qui coûtent quoi, 1 ou 2 euros du style à Lidl ou Aldi. Et pour moi, c'est l'un des meilleurs. Donc ça paraît bizarre. Mais voilà, on se retrouve quelques heures plus tard. Donc alors, je suis désolée de ne pas avoir beaucoup filmé aujourd'hui. Mais comme vous le savez, ma soeur est arrivée. Donc il fallait absolument faire les finitions. Franchement, j'ai oublié de vous faire voir la chambre faite. Mais c'était trop mignon. C'était vraiment trop bien décoré. Enfin, décoré, non, mais c'était tout mignon. On avait fait les lits. Ma mère a fait une petite présentation avec les serviettes. Comment on fait un petit peu au travail, mais en un peu mieux. Parce que le travail, c'est vraiment plié, carré, tout le bordel. Mais voilà, on avait fait une belle petite... un beau petit truc. Et... comment dire? Et voilà, bah, on a profité, bien évidemment. On était tous contents de se voir avec... Bah voilà, mon neveu et tout ça. C'était vraiment bien. Et on a regardé Danser avec les stars. Je suis très déçue. C'est Joy, l'actrice qui fait dans Nos chers voisins, qui est partie. Je trouve ça ridicule.
Parce que franchement, pour moi, ceux qui doivent être en finale, c'est... Bah, d'ailleurs, ils y sont, donc c'est cool. C'est Lenny Kim, le jeune. Augustine, donc l'acteur. Et pour moi, bah, y avait elle, Joy, mais malheureusement, bah, non. Donc j'aimais beaucoup les Digotions, etc. L'autre aussi, on sait très bien, mais pour moi, les trois meilleurs, c'est vraiment eux. Et le truc, c'est que bah, ce qui est embêtant, c'est que pour moi, c'est ceux qui doivent partir, ben bah, voilà, il y a... Je suis désolée, mais le truc qui est embêtant, c'est qu'Elodie Gossuin, elle danse assez bien, mais moins bien, beaucoup moins bien que les autres. Mais bon, après, voilà, ils l'ont gardée par rapport voilà, à plein de choses, donc voilà. Mais bon, bref, donc je vais arrêter de parler, je vais bientôt aller me coucher parce que voilà, demain, je vais filmer encore, donc je suis très contente. Je suis désolée aussi que vous ne voyez pas ces vlogs-là à temps, mais comme je vous l'ai dit... Voilà, il y avait les préparatifs, donc je voulais aller un peu sur l'ordi soir, mais je pense pas. Je pense que j'irai peut-être demain matin si je me lève pas trop tard. Demain, c'est l'anniversaire de ma sœur, bien évidemment, je vais filmer, donc je sais pas vraiment. Je ne la filmerai pas elle, mais je sais qu'on a des choses à faire, comme peut-être, je me dis, je sais pas du tout, on va peut-être aller sur le marché de Noël demain. Et demain, on le fait le sapin. Donc je vais bien laisser mon téléphone charger et je mettrai la caméra, je mettrai un petit peu... sur le trépied, le téléphone, et on filmera ça. Donc vous verrez peut-être vite fait ma soeur, mais c'est tout. Donc voilà, j'ai arrêté de parler, je vous fais des très très gros bisous, j'espère que ce vlog vous aura plu, et je vous fais, je vous dis à demain. Enfin, ça dépendra quand est-ce que vous voyez ce vlog, mais voilà, gros bisous!